3 sur 2, 3, 4, troisième. Salut Charlie. Eh hey. Bonjour Making of. Plein de films d'amour à un moment, un coup de blues. et je trouvais que c'était toujours... Enfin, l'amour, est-ce qu'il y a un truc plus complexe que l'amour? Je crois pas. Et j'avais envie de le mettre en scène avec un côté complètement burlesque. Donc j'avais une idée un peu comme ça, vague. Et j'en ai discuté avec Olivier. Et il m'a dit, oh, moi je suis chaud, pourquoi pas. Et du coup, j'ai écrit l'histoire vraiment plus en détail. Du peu que je connaissais de lui, et je l'ai emmené dans des endroits compliqués quand même. Je lui ai fait la misère, le pauvre, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer, et là il s'est retrouvé à devoir jouer la peine, la colère, la joie, l'amoureux, le truc, c'était très complexe. J'espère qu'il m'en veut pas, mais il s'en est très bien sorti, je suis fière de lui. Mathilda, donc, qui est la meilleure amie de Charlie, et qui est jouée par Charlène, qui est aussi une de mes meilleures amies dans la vie. La relation qu'elles ont, hyper complice, un peu taquine et tout, c'est celle qu'on a avec Charlène dans la vie, donc c'était trop cool de jouer avec elle. Jérémy, je lui ai donné le rôle du conseiller parce que j'avais envie de le voir jouer quelqu'un de commercial mais d'humain en même temps. Et j'ai confiance en son jeu, je sais qu'il est bon. Et en dernier, nous avons du coup l'hôtesse d'accueil qui n'a pas de prénom, pardon, qui est Swann Périssé, qui est une super copine aussi. Et c'est Swann, elle est très bonne comédienne sur des types précis. Elle est très bonne pour jouer la fille un peu exaspérante qui t'énerve et tout, ça lui va bien, elle est trop drôle comme ça. Elle est violente, hein. Moi j'arrête pas de lui dire, c'est un androïde, quoi. C'est qu'un robot, quoi. Amour, pas amour, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Franck Marchand réalise ce petit film parce que Franck est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a bossé sur Circus, du coup qui a réalisé Circus également avec son équipe, et qui sont des gens trop talentueux en fait. La bonne ambiance et vraiment le côté famille, c'est hyper important. Et Franck, il a ce truc-là avec... on a mixé son équipe avec la mienne et ça match complètement, et c'est cool. Le scénario donc de Perfect Love, une jeune fille qui a vécu des histoires d'amour plutôt chaotiques, qui se sent très seule, qui n'assume pas sa solitude parce qu'elle est assez fière quand même, Charlie. Elle est pas seule, tu vois, elle gère quoi. Et sa meilleure amie en fait lui parle de cette application qui s'appelle Perfect Love, qui est en fait un nouveau système de rencontre très particulier, qui fabrique des produits d'amour sur mesure. Donc elle a qu'une partie de l'histoire forcément. Cette histoire se complique avec le twist de fin. J'ai pas envie de vous le dire parce que si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de vous spoil. T'es chaud là. Je suis un robot. T'es un cuisineur. Robot. Je le mets dans mon rôle direct. Cuisineur, c'est pas français. Bon, il est du Canada, on lui pardonne. Dans première. Deuxième clap. Action. Je suis là. Ne t'approche pas. Ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Mais arrête tes bêtises, fais voir. J'avais presque oublié. On n'était pas juste dans une comédie romantique avec on fait des plans, on te met du chocolat sur le nez, on rigole au ralenti et tout. Il y avait un peu plus de fond, on rigolait un peu par moment, on pleurait à d'autres. Son inspiration principale c'était Her de Spike Jonze. Et on a essayé de faire un décor qui n'était pas non plus trop ancré dans un futur lointain, plus quelque chose qui se rapproche un peu de notre époque, avec vraiment assez minimaliste, avec des tablettes, plus des choses comme ça. Plutôt que vraiment des gros trucs à la Star Wars. C'est surtout le nombre de séquences à rentrer, le nombre de pages qu'on avait, parce qu'il y avait énormément de textes et pas mal d'endroits et beaucoup de situations à mettre en œuvre, parce que bah, pour une histoire amoureuse, il faut quand même un quotidien qui se met en place, etc. Et en deux jours, c'est difficile à faire rentrer. En plus, bah, le changement de genre aussi n'y aide pas. Du fait qu'il bah, y a des moments où il faut pleurer, des moments où il faut rigoler. Et des fois, pour gagner du temps, il faut enchaîner les deux. Et pour les comédiens et pour tout le monde, en fait, c'est très compliqué. Mais c'était assez drôle à voir, par contre. Voir quelqu'un qui pleure et puis après rigole, c'est assez... Ouais. C'est chouette. Dans l'autre sens, c'est un peu moins drôle. Oui, c'est vrai. Ce
que j'ai préféré dans le projet, c'est le challenge du jeu. En fait, moi, j'ai toujours voulu jouer. J'ai joué beaucoup au théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la comédie musicale. Mais du jeu à la caméra, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai vraiment peu d'expérience. D'ailleurs, c'est ma première expérience de court-métrage. Donc, je joue le rôle de Juliane, le futur petit ami de Charlie, qui se trouve en fait être un robot tout au long de l'histoire avant que l'on découvre autre chose. Je sais pas si on le dévoile maintenant. Et voilà, j'avais vraiment envie de l'expérimenter. Puis, ayant vu déjà les projets que Amy avait fait sur sa chaîne, j'avais vraiment envie de me lancer dans le projet parce qu'elle fait toujours quelque chose, elle a toujours du contenu de très bonne qualité, donc je savais que j'allais être bien encadré et tout. Donc voilà. Le tournage s'est super bien déroulé. On a fait ça sur 2 jours. Je trouve qu'on a été assez efficace, super équipe. Ça s'est super bien déroulé. Et puis c'était cool de travailler avec Amy, qui était très très bienveillante avec moi. Puis on voit en fait que tout le monde avait beaucoup d'expérience. On voit que c'est le métier de tout le monde ici. Puis ça rassure. J'ai vraiment passé un bon moment, j'espère. J'ai vraiment très hâte de voir... Je suis très fébrile. En fait, je suis très curieux de voir le produit final. Je me suis jamais vu dans des circonstances comme celle-là. Je pense que ça va être difficile. C'est difficile pour moi de prendre du recul par rapport à certaines scènes, par rapport à la façon dont j'ai joué. Donc j'ai hâte de découvrir ça en même temps que tout le monde. J'espère que ça va plaire. Ouais, ça va en pleine forme. Je me mets dans le mood pour les prochaines répliques qui s'en viennent. Je crois qu'ils sont en train de se battre entre eux parce qu'ils veulent faire plus de plans que prévu. Et on est en comme dans tous les tournages. Fin de la première journée, on se retrouve demain. Bonne nuit, Making Off. Making Off, jour 2. Et on est fatigué, mais on est content. 'entends des voix depuis tout à l'heure. Non, parce que tout à l'heure, j'ai vraiment entendu des voix et personne n'était là. Et là, t'as vraiment parlé, je me suis dit, non, c'est encore dans ma tête. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est bien beau de savoir pas sous commande, mais c'est dans ce genre de scène qu'on voit qui sont les vrais. Dur. Très dur, je suis au bout, je chiale encore mais de fatigue, c'est ça. Hey, salut Making Off, ça va ou quoi? Mon délire, bisous. Alors moi, dans ce court-métrage, je joue le rôle du conseiller. Je conseille Amy pour trouver son homme idéal. Pas la première fois que je tourne avec Amy, c'est la deuxième collaboration. Dans la première, je jouais dans sa vidéo qui s'appelle « Qui a tué le Père Noël ?». J'adore son univers, donc à chaque fois qu'elle m'appelle pour un rôle ou pour un truc, je suis très content. Et l'équipe est géniale, c'est toujours bien encadré, on sait où on va. Et c'est cool, il y a de la place pour le jeu, c'est de la fiction, c'est tout ce que j'aime sur YouTube. J'ai envie de dédicacer ces derniers mots à Amy. Amy, si tu m'entends. Merci, j'adore bosser avec toi. On va tous les tuer. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, il a une sucette dans la bouche quand il fait. Ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Une sucette, un costard et des chaussures et un skate. Mauvaise idée. La sucette, et je fais un ollie maintenant. Un petit saut. Il ne mange pas, sauf que vous avez besoin de vous faire un... Pour faire ça au bon moment. Plaque, clame ton pince. Plaque, compte pas. Allez, on y arrive. Ok. Alors ça c'est Perfect Love, je vais vous montrer les dessous. Attention, c'est d'ici que se crée l'amour. C'est bon, merci, c'est le tournage.
trop contente d'avoir tourné cette fiction qui parle d'amour à ma façon. Comme d'habitude, tu parles de sentiments, mais toujours à ma façon. Mettre en image des choses, vraiment des émotions hyper fortes, mélanger un univers de science-fiction. Je pense qu'il faut prendre des risques et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mélanger des univers. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et j'espère qu'on l'a bien fait.